Elle n'avait qu'une idée en tête. Qu'il tombe amoureux d'elle. Dans Ici tout commence, sur TF1, Jasmine était prête à tout pour qu'Axel la remarque. Si le duo s'entendait bien, le neveu d'Emmanuel Tessier ne voyait qu'une amie en la jeune femme. En effet, il n'avait Dieu que pour Salomé, célibataire depuis sa séparation avec Maxime. Si Axel et Salomé ont failli s'embrasser au bal de promo, le jeune homme est finalement tombé sous le charme de Jasmine, qui a toujours été là pour lui et l'a aidé à se perfectionner en cuisine. Au cours des derniers mois, le couple est apparu très amoureux, malgré les quelques crises de jalousie de l'ex de Greg et mère de Naël. Alors que depuis la fin de son histoire avec Ethan, Salomé est célibataire, Axel pourrait-il retenter sa chance avec la jolie blonde? Dans un entretien accordé à Téléstar, en kiosque lundi 5 septembre 2022, Thomas da Costa, qui prête ses traits à Axel, a fait savoir que son personnage devrait continuer de couler des jours heureux avec Jasmine et ne se rapprochera pas de Salomé. Même s'ils s'entendent très bien, il s'agit plus aujourd'hui d'une relation amicale. Ils n'ont jamais été dans le même timing pour envisager autre chose, a-t-il déclaré. Au sujet de son personnage, l'acteur qui fera bientôt ses premiers pas dans Danse avec les Stars, sur TF1, a glissé, si Axel a validé son entrée à l'Institut, la route qui se profile ne ressemble pas forcément à un chemin de rose. Son entrée en première année, si est-il un bel aboutissement. Mais il devra gérer de nouvelles difficultés. D'abord avec les élèves de deuxième année, qui considèrent que la nouvelle promotion est une promo de pistonné. Ensuite avec Ethan, le fils de la chef Cardonné, qui se pose en rival. Salomé n'a pas envie de se remettre tout de suite en couple pour Téléstar, Aurélie Ponce, qui interprète Salomé, a assuré que la jeune femme n'était pas prête à se relancer dans une histoire d'amour. Bouleversée par les événements de l'été avec Ethan, si est-il en solo qu'elle souhaite tracer sa route. L'actrice a en effet déclaré, Salomé a pris un coup sur la tête. Elle ne s'y attendait pas et a désormais envie d'être un peu seule. Dès la semaine prochaine, Gaëtan va tomber sous le charme de la jeune diplômée, ne la voyant plus comme une élève. Salomé, succombera-t-elle à ses avances? Affaire à suivre. Une interview à retrouver en intégralité dans votre Téléstar, ce lundi 5 septembre.